On est très satisfait. Donc, c'est vrai qu'en année 1, qu'on a commencé, on ne savait pas trop comment ça allait marcher, si ça allait prendre, si ça allait rencontrer un vrai intérêt de la part des professionnels. Et on a constaté au bout de 3 ans qu'effectivement, ça rencontre vraiment l'intérêt des professionnels. On a de plus en plus de films qui nous arrivent. C'est très bénéfique pour l'agence. On est très contents. On a des bons films aussi qui arrivent, qui ont fait une belle carrière, surtout cette année. Et puis voilà, évidemment, on voudrait toujours développer plus, principalement tout ce qui est diffusion en salle des courts-métrages un peu plus anciens pour proposer tous nos courts-métrages belges à un public qui les connaît peu. J'espère en tout cas qu'on aide un peu à mieux faire connaître le court-métrage. On organise un ciné-club à l'aventure tous les mois dans ce but-là aussi, de faire connaître ce genre un peu méconnu, puisque à part les festivals ou quelques télés, mais plutôt tard le soir, c'est assez difficile pour le grand public de connaître le court. Donc on essaie un peu de le sortir de ces circuits traditionnels et de le montrer dans les salles au grand public. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est une excellente année pour le court-métrage belge, oui, puisqu'on avait Icar et Mayday qui étaient shortlistés pour les Oscars cette année, Capitalistis et Les Petites Mains au César. Les Petites Mains d'ailleurs qui a remporté le César du meilleur court-métrage. Là, on a encore un film belge, donc Lucien et Limbo de Valentina Morel qui est sélectionné en compétition à la Semaine de la Critique. C'est une année assez formidable pour le court belge. On produit des bons films et on est très content de ça. On voit beaucoup aussi de nouveaux films arriver parce qu'il y a une apparition de nouveaux moyens aussi. La technique se démocratise beaucoup, donc c'est plus simple, entre guillemets, de faire un film. Après, ça ne reste pas plus simple de faire un bon film. Donc voilà, au niveau du scénario, on reste toujours confronté à ces difficultés. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus facile de faire un film et donc de l'envoyer dans les festivals. Mais la sélection est rude et donc on va aller reprocher les bons films avec un bon scénario. Ben, on avait aussi le film de Maxime Feyers et Séverine de Strecker, Calamity, qui a fait une tournée assez incroyable de festival puisqu'il a eu près de 200 sélections. Here and there. On voit aussi une nouvelle vague de réalisatrices qui nous arrivent. Principalement, je pense à Bérangère MacNiez et son film Matrioshka, à Marie Le Floch et son film Je serai parmi les amandus, qui seront en compétition ici au Festival du Cours, encore à Isabelle Chapira et son film Garçon, à Catherine Cosme. Beaucoup de films de réalisatrices qui nous arrivent cette année, on est bien contents. Le court-métrage, en tout cas, c'est vraiment la carte de visite pour les réalisateurs. Ça leur permet aussi de montrer à un producteur, voilà ce que j'ai fait, mon film il a été là, là et là. Et donc, engage-moi, entre guillemets, pour faire un long chez toi. Je pense que c'est difficile pour un producteur de s'engager avec un réalisateur sans rien avoir vu de lui. Ça reste quand même un passage obligé. Il y a de rares cas qui ne passent pas par le court-métrage, mais c'est vraiment très rare. Le circuit traditionnel est plutôt 1, 2, 3 courts-métrages et puis un passage au long-métrage. Le Brussels Short Film Festival est un festival qui compte. Là, il vient d'être reconnu par les Academy Awards, donc il est reconnu par les Oscars. Et ce qui veut dire que le Grand Prix national se retrouve dans le panel de films sélectionnés, présélectionnés pour les Oscars. Donc non, c'est un des gros festivals de court-métrage au monde. Ben, je pense que voilà, on a des bons talents qui sont bien encadrés et bien produits. Et donc, on arrive à des films de qualité.